Petite sortie de remise en forme. Je vais aller faire un petit tour du côté du Cré du Char. Départ de mon derrière. Je sais, ça fait pas propre. C'est vrai, c'est quand même un trou. Nous sommes fin novembre. Malgré un beau soleil, quelques belles brumes en face. Et fin novembre, il y a encore quelques jolies fleurs, telles que cette renoncule. Une ombellifère qui commence à fleurir. Un salsifis, c'est pourtant pas la saison. Un magnifique pissenlit. Il est beau celui-là. Un petit chardon. Un petit brin de serpolet. Des géraniums. En pleine forêt. Une campanule. Une jolie ombellifère. Une pâquerette. Un trèfle. De jolies petites gentianes. Sont chouettes. Et même une trolle. Le roc des bœufs est dans l'ombre. Tout droit, on continue vers le col de la Frasse. Et moi, ben, je vais partir vers la droite. Au fond, là-bas, ce sont les petits hameaux de Saint-François de Sales. Qu'on aperçoit à peine, les toits brillent au milieu de la brume. Et voici le Cré du Char. Avec la tournette derrière, c'est très joli. Le roc des bœufs de l'autre côté. Le cèpnoz au fond. Sur l'autre versant, c'est la pointe de Banplat. Toute la montagne du charbon. Jusqu'à la dent des portes. Et tout au fond, le Trélot. La dent d'Arcluse. Très belle en plein milieu là.
et tous les petits chalets d'alpage. C'est très joli aujourd'hui. Petit panoramique, le Cré du Char, là d'où je viens. Le Parmelan, les Dents de l'Enfant. Le Lanfonnet. La Tournette, la pointe de Montplat, la Dent des Portes. Voici arrivé au reposoir où il fait très froid. C'est tout gelé ici. Allez, je vais poursuivre vers la route forestière. Magnifique ciel ce soir.